mighty name, dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Precious souls of God, we are all gathered here today in Jesus' name. En précieux Jésus, nous sommes rassemblés dans le nom puissant de Jésus. If you are happy, can I hear a louder amen? Dis amen si tu es content. If you are joyful, can I see your jubilation? Si tu es rempli de joie, si tu. Amen. Amen. Let's open our mouth and say thank you, Lord Jesus. Jésus-Christ. For your endless love in our life. Ton amour infini dans nos vies. If you know Jesus Christ loves us, can I see your hand up? Levez les mains si vous savez que Jésus-Christ nous aime. Amen. Amen. If you believe that we are here, not by our own strength, but by the goodness and the love of our Lord Jesus Christ, can I see your jubilation? Jubilez si vous avez reçu la part par le Seigneur, mais par la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Neighbor, dis voisin, who am I? Qui suis-je? I am nobody. Je ne suis rien du tout. Only Jesus must be honored. Seul Jésus doit être honoré. I love you all with the love of our Lord Jesus Christ. Je vous aime tous l'amour de Seigneur Jésus-Christ. All of you are wonderful people of God. Je suis des peuples merveilleux de Dieu. If you know that it's not a mistake for you to be here, can I hear louder amen? Dis amen si tu es pas une erreur pour être ici. You are not here for Prophet Frank. Vous n'êtes pas là pour le prophète Frank. You are not here for yourself. Vous n'êtes pas là pour vous-même. You are not here for anybody. Vous n'êtes là pour personne. But you are here for Jesus Christ. Vous êtes là pour Jésus Christ. And our Lord Jesus Christ have made it clearly. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait clairement. They that believe in him, ceux qui croient en lui, shall never be disappointed. Ne seront jamais déçus. We have gathered here today for one goal. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour un but. So that peace, afin que la paix, divine peace. I put that very word, divine peace. La paix divine, je précise bien, la paix divine. Should be established in Cameroon. Doit être établie au Cameroun. Listen, écoutez. I am not saying that peace should be established in Cameroon. Je ne dis pas que la paix doit être établie au Cameroun. Divine peace. Je parle de la paix divine. There's a difference between peace and divine peace. Il y a une différence entre la paix divine et la paix. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ. There is peace that comes from the world. Il y a la paix qui vient du monde. There is peace that comes from God. Il y a la paix qui vient de Dieu. And the one that comes from God is called divine peace. Et celle qui vient de Dieu est appelée la paix divine. Now, in November, en novembre, this kind of peace always comes by fire. Ce genre de paix vient toujours par le feu. Peace from heaven comes by what? La paix du ciel vient par le feu. The Lord said, since the day John started talking on earth, le Seigneur dit depuis le jour que Jean a commencé à prêcher. Some things were happening. Quelque chose a commencé à se produire. Satan came and placed some few things. Satan est venu placer des choses bizarres. For us to break through, alors pour que nous puissions avoir la percée, it must be by fire. Ça doit être par le feu. It must be by authority. Ça doit être par autorité. He said, I don't give you peace as the world gives. Il dit, je vous donne pas la paix. Je vous donne la paix pas comme celle du monde. I give you peace, real peace from me, Jesus Christ. Il dit, je vous donne la vraie paix qui vient de moi, Jésus Christ. If you believe it, that the power of peace, divine, be coming to Cameroon, it is time. Can I hear a lot of men? Si vous voyez que c'est le temps de la paix, je vais dire, amen, au revoir. Amen. Amen. Last November, novembre dernier, the Lord took the peace to a dimension. Le Seigneur a transporté la paix à une dimension. This very program again. Ce programme véritable. It will take
High amplitude. Tell somebody high amplitude. Dis à une grande amplitude. The Lord revealed to me. Le Seigneur m'a révélé that what has been cooking Cameroon. Que ce qui a eu à préparer le Cameroun. It must be ended. Doit s'achever. Amen. Amen. Listen. Écoutez. Civilian Cameroonians. Les Camerounais, les civils. You are good people. Vous êtes de bonnes personnes. Administrators. Les administrateurs. President. Le président. Governor, ministers. Ministres et gouverneurs. You are good people. Vous êtes de bonnes personnes. You are not the problem. Vous n'êtes pas le problème. Civilian is not a problem. Le civil n'est pas un problème. But the problem is Satan. Le problème c'est Satan. The problem is what? Le problème c'est quoi? I want us to listen well. Écoutons très bien. And please. Et s'il vous plaît. I know my dear brothers are always here. Je sais que mes chers frères sont toujours ici. Don't listen to me in the secret. Ne m'écoutez pas dans le secret. Or try to take information from me by secret. Et n'essayez pas d'avoir des informations de moi par le secret. What I'm saying is good for every human being on earth. Ce que je dis c'est bon pour tout être humain sur la so terre. So if you want to take information, I can give you more. Take it to the place you want to take. Si vous voulez des informations, je peux vous donner davantage et transporter ça là où vous voulez. Amen. Amen. Because in the daytime I'll repeat it. Parce qu'en pleine journée je vais répéter in cela. In the night I will repeat it. Et dans la nuit je vais répéter cela. 24 hours I will repeat. 24 heures, je vais répéter ça. Because I know it is good for everybody. Parce que ça, c'est bon pour tout le monde. The Bible says, la Bible dit, my people perish, mon peuple périt, because they lack knowledge. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Am I talking to somebody? Quelqu'un m'entend-il? The Bible says, my people perish, la Bible dit, mon peuple périt, because they lack knowledge. Parce qu'il lui manque la connaissance. If they put a pot and the pot is hot, si on met une marmite et elle est chaude, and they don't tell you that that pot is hot, et on te dit pas que cette marmite chauffe, and you go and touch it, et tu t'en vas toucher cette marmite, will it not burn you? Ne va-t-elle pas te brûler? You lack knowledge that that article standing there is a hot pot. Tu as manqué la connaissance que l'article qui se tenait là était une marmite chaude. But if you want to go there, mais si tu veux y aller, and somebody say, hey, et quelqu'un te dit, hey, that pot is hot, cette marmite est chaude, what will you do? Que feras-tu? Hey, tu vas retourner. When you look at it clearly, lorsque vous regardez cela clairement, human being on earth, l'être humain sur la terre, here in Cameroon, ici au Cameroun, has lacked a lot of knowledge, a manqué suffisamment de connaissances, and worship Satan, et adorer Satan, and other people's worshiping Satan, et d'autres personnes qui adorent Satan, is to the detrimental of others. Alors c'est au détriment des autres. Am I talking to somebody? Quelqu'un m'entend-il? Another man worshiping Satan, un autre homme qui adore Satan, is to the detriment of another one. C'est au détriment d'une autre personne. Because as you are worshiping Satan, parce que quand vous adorez Satan, Satan came to kill, steal and destroy. Satan est venu pour voler, égorger et détruire. So you must certainly be destroyed. Donc certainement vous devez être détruit. Amen. Amen. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ. Please, can we be seated? S'il vous plaît, asseyons-nous. Be seated in the heavenly places. Asseyez-vous dans les lieux célestes. Are we ready to discuss together? Sommes-nous prêts à discuter ensemble? If we are ready to discuss together, can I see your hand up? Lèvons les mains si nous sommes prêts à discuter ensemble. Amen. Amen. I am just your dear brother. Je suis juste votre frère. You're my sister. Vous êtes mes sœurs. You're my brother. Vous êtes mes frères. You're my parents sitting here. Vous êtes mes parents assis ici. You are dear lovely people of God. Vous êtes le peuple si cher de Dieu. Amen. Amen. Clap for Jesus Christ. Acclamez encore pour Jésus Christ. I repeat. Je répète. I am not here today. Je ne suis pas ici aujourd'hui. Against human being. Contre l'être humain. But I'm here against the power and principalities destroying our nation, Cameroun. Je suis là contre les puissances et les principalités qui détruisent notre nation, le Cameroun. Amen. Amen. One of the powers is called
Rose Croix Rosicrucians. L'une de ces puissances est appelée la Rose Croix, les Rosicruciens. The other one is called Freemason. L'autre s'appelle la Franc-maçon. The other power is called PD. L'autre puissance est appelée la puissance de PD. It's no human being, no, it's power. Ce n'est pas l'être humain, oh, c'est la puissance. It's demonic forces. Ce sont des forces démoniaques, ce ne sont pas des êtres humains. Is Rose Croix somebody's name? Est-ce que la Rose Croix est quelqu'un? So I am out against these demonic forces that are killing Cameroon. Je suis là contre ces forces démoniaques qui tuent le Cameroun. Amen. Amen. Please, s'il vous plaît. We need to understand certain things very clearly. Nous devons comprendre certaines choses très clairement. Without missing some words. Sans rater certaines paroles, sans manquer certaines paroles. If a man is serving Rosicrucian order. Si quelqu'un, un homme sert l'ordre des Rosicruciens. That very order will be given commands and instructions to that person. Alors l'ordre là va donner des instructions à cette personne. And when the instructions are given, et lorsque les instructions sont passées, the man or woman must obey. L'homme ou cette femme doit obéir. If they say, on Douala, you're on the road, make sure you kill 10 people this night. Alors si on dit sur la route Douala, Yaoundé, rassurez-vous que vous tuez 10 personnes cette nuit. If prayer is not taken, alors s'il n'y a pas la prière, you'll see accidents on the highway. Vous allez voir l'accident. Sur la route. But I'm already talking to you. Mais je vous adresse la parole. The accident you were hearing, not more, you were hearing. Alors ces accidents que vous entendiez, were caused all this Rosicrucianism, they are the one causing all these things. Ce sont eux qui causent tout cela. Amen. Amen. But I thank God. Dieu merci. God has touched us, touched other servants of God seated here. Dieu a touché les serviteurs de Dieu qui sont ici là. The ones that are not here, et touché même ceux qui ne sont pas là. And we are lifting our tongue to the throne of grace for prayer. Et nous élevons nos voix au and sein de la prière. And Cameroon will be ruled by prayer. Et Cameroun va être dirigé par la prière. I encourage all the men of God that are here. J'encourage tous les hommes de Dieu qui sont là. And I want to tell you. Et j'aimerais vous dire. Your work is not in vain. Votre travail n'est pas en vain. Your work for the nation is not in vain. Votre travail dans la nation n'est pas en vain. God is seeing your work. Dieu voit votre travail. And certainly is marking your work. Et certainement il marque votre travail. Amen. Amen. I want us to read some scriptures. Let us get it before we go to some details. J'aimerais que nous ayons quelque chose please, avant d'aller dans. Let's open the Bible. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles. Let us hear what God has said. Écoutons ce que Dieu a dit. And when God speaks, et lorsque Dieu parle, no man can argue. Tell your neighbor, when God speaks, dis à ton voisin, lorsque Dieu parle, no man can argue. Aucun homme ne peut argumenter. When God speaks, lorsque Dieu parle, the next thing is obedience. La prochaine chose c'est l'obéissance. Amen. Amen. Let's open our Bible to the book of Jeremiah. Ouvrons notre Bible dans le livre de Jérémie. Jeremiah chapter 1. Jérémie chapitre 1. Jeremiah chapter 1. Jérémie chapitre 1. Are we there? Est-ce que nous y sommes? I start reading to you from verse 10. Je vous lis à partir du verset 10. Are we there? Est-ce que nous y sommes? Today. Tell your neighbor today. Today. Do you know what today in the Bible means? Savez-vous ce que veut dire aujourd'hui dans la Bible? Today in the Bible means our own days. Ça veut dire notre jour, nos jours. Tell somebody our own days. J'ai quelqu'un nos jours. Today means our own days. Aujourd'hui veut dire nos jours. These days where we are living now. Ces jours que nous vivons maintenant. Today, Jeremiah chapter 1 verse 10. Today I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down. Destroy and overthrow. Did he say, I appoint you against human beings? Est-ce qu'il a dit, je te mets en charge contre l'être humain? Okay. You men of God that pray, send back to sender. Killing human beings and you are happy. Please, it is a wrong prayer. Vous,
homme de Dieu qui dit de retour à l'envoyeur, vous priez contre l'être humain, vous tuez les êtres humains, c'est une mauvaise prière. God came to set human being free, not to kill human being. Dieu est venu libérer l'être humain, pas pour le tuer. If you are there to be killing, si tu es là pour tuer, God will not give you enough power to do what you have to do. Dieu ne donnera pas suffisamment de puissance pour accomplir ce que tu as fait. You more, you kill the whole Douala one. Parce que si Dieu te fortifie, tu vas tuer tout Yaoundé one time. You kill Cameroon in a month. Tu vas tuer Cameroun en un mois. Anybody that just talk to you and I will not respect you the way you die. Quiconque te parle n'importe comment, tu vas dire meurs. God has given us His power to clean. Dieu nous a donné sa puissance pour nettoyer. Take away demon from the place, from the nose, and establish them back in Him. Et l'établit en lui. It's very clear that the things they will be doing to you, human being, Satan will use the human being to do to you, the things will be offending. C'est très clair que ce que Satan va utiliser l'être humain pour offended, mais si tu es offensé, and you're fighting against a human being, et tu combats l'être humain, you're fighting a wrong battle. Alors tu mènes un mauvais combat. Thus says the Lord. Ainsi parle le Seigneur. We are not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers. Nous combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principalités de puissance. Before I continue the scripture, avant que je continue, everybody seated here, remember how many times you have sinned today, either by action or by thinking before God. Souvenez-vous combien de fois vous avez péché aujourd'hui, soit par action ou par les mauvaises pensées envers Dieu. And when another next person will commit an error, et lorsque la prochaine personne a commis une erreur, even if it is a witch, même si c'est un sorcier, it's still an error like the one you fornicated yesterday. Alors c'est la même erreur comme ce que tu as forniqué hier. Like the one you insulted people yesterday. Comme ce que tu as insulté quelqu'un hier. Like the one you were envious yesterday. La manière que tu as été envieux hier. Like the one you know. Anger yesterday. Comme la colère que tu as manifesté hier. All these things before God are not clean. Toutes ces choses devant Dieu ne sont now, pas propres. Now human being, you should not classify some clean, some too bad. No, all are sin before God. Alors, tous ces péchés devant Dieu dans le classifiant. So every time you begin to desire that the next person should die who have committed an error before you. Alors chaque fois que tu veux que la prochaine personne qui a commis une erreur meure devant toi. You are reminding God of your sins. Tu rappelles à Dieu tes péchés. You are reminding God of your sins. Tu rappelles à Dieu tes propres péchés. And if God just remember, alors si Dieu se souvient seulement, remember the things you did just yesterday. Si Dieu se souvient seulement de ce que tu as fait hier. Some even steal. Certains ont même volé. Yes. Oui. You know, there are two kinds of stealing. Il y a deux genres de vol. Technical stealing. Il y a le vol technique. That one is the professional stealing. Et là c'est le vol professionnel. And then mess up stealing. Et il y a le vol mixé. Mess up. The one that you mess up yourself openly. Alors, you know, a director in an office. Vous savez, un directeur dans un bureau. They have what they call diplomatic and technical stealing. Ils ont un vol diplomatique et technique. And they have given him a name. Et on a donné nom. Avantage du travail. You are earning a salary. Alors tu gagnes un salaire. They pay you for the salary. Okay. On te paye pour ce salaire. Okay. That is an official remuneration from the company. Alors ça c'est une rémunération officielle de l'entreprise. Secondly, deuxièmement, if you need some other advantages, the company will officially award them and write you officially. Alors si tu as besoin d'autres avantages, l'entreprise va te dire ça. If they are not writing you or telling you to do those things officially, si on t'écrit pas, on te demande pas de faire ces choses officiellement. Whether the company is paying you well or not, you agree to work with them. Alors si l'entreprise te paye bien ou pas, tu t'es accordé le travail. So avec any other thing you are doing behind is sin and is recognized to be sin and you go to hellfire. Alors tout ce que tu fais derrière c'est le péché et c'est reconnu comme péché et tu iras dans le feu de l'enfer. I know some people will not like to hear this. Je sais que certaines personnes vont pas aimer entendre ça. For this kind of talks. Mais je suis venu pour ce genre de paroles. For you to be blessed, you need to be clean. Who is blessing you? Tu dois te nettoyer. Qui te bénit? Who is blessing you? Qui te bénit? God. Is it Prophet Frank blessing you? Est-ce Prophet Frank qui te bénit? Is God. C'est Dieu. And for God to bless you, you need to be okay before Him and He pour the matter upon you. Pour que Dieu te bénisse, tu dois être okay devant lui afin qu'il déverse ses bénédictions dans ta vie. And let men of God. Et que les hommes de Dieu. They shouldn't think they are the one blessing people. Qui ne pensent pas que c'est eux qui bénissent les gens. Because when you keep on thinking that you are the one blessing people. Lorsque tu continues à penser que c'est toi qui bénis les gens. You will never prepare that soul to receive from God. Preparing the soul to receive from God
is our mission. Clean the soul. Turn the soul away from what is disturbing the soul's relationship with God and make that soul be clean with God. And that is your mission. Notre mission, c'est de préparer cette âme pour Dieu, devant Dieu, à recevoir de Dieu, nettoyer cette âme afin qu'elle reçoive bien de Dieu. Okay, let's continue. Continue notre étude. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and plant. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus, je remis ça. I see the hand of God upon you in Jesus' name. Je vois la main de Dieu sur vous dans le nom de Jésus. Jérémie chapitre 1, verset 10, le décrit. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. If you heard the word there, M-U-S-T. Sorry, I'm not to go to school. Désolé, je ne suis pas trop à l'école. But I talk by the Holy Ghost. Mais je parle par le Saint-Esprit. M-U-S-T. If you have heard that word, let me see your hand up. Si tu as vu M-U-S-T, lève la main. Amen. Amen. Even according to saints' knowledge, même selon la connaissance, la pensée, must is standing for an obligation. Alors ce mot se tient pour une obligation, doit. Must means what? Doit, you are obliged to take a certain step that has been assigned. Tu es obligé de prendre certains pas qui t'ont été recommandés. If somebody must, dire quelqu'un doit, means, ça veut dire, you must do it. Tu dois le faire. So that is what is upon my forehead. Voilà ce qui est sur ma tête. You must uproot and tear down. Tu dois arracher. My mission is to uproot and do what? Tear down. Tu dois déraciner. Ma mission c'est de déraciner. And then build. Et bâtir. A lot of things are already uprooted in Cameroon. Plusieurs choses ont été arrachées ou déracinées au Cameroun. And within this program again, et pendant ce programme une fois de plus, a lot will be uprooted. Plusieurs choses seront déracinées. A lot again. Plusieurs encore. You know, vous savez, my people will perish. Mon peuple va périr. Because the lack what? Parce qu'il manque quoi? Knowledge. La connaissance. I want us to hold tight to that scripture. J'aimerais que nous attachions à cette écriture. When you lack knowledge, lorsque vous manquez la connaissance, you will go and carry the altar of Satan. Vous allez aller porter l'autel de Satan. Come and put in the ministry. Vous allez mettre dans le ministère. Put in the carrefour. Mettre cela au carrefour. Put in your house. Mettre cela chez vous. Put everywhere. Mettre cela partout. Because you don't know it. Parce que vous ne connaissez pas. That altar you are bringing, que cet autel que vous apportez, it will start killing you. Ça va commencer à vous tuer. Killing your children. Tuez vos enfants. Killing your family. Tuez votre famille. Killing the whole Cameroon. Tuez tout le Cameroun. You don't know it. Vous ne connaissez pas. Et lorsque ça commence à vous tuer vous-même, you start running everywhere looking for solution. Vous commencez à courir partout chercher la solution. There are people in our country here. Il y a des personnes dans notre pays ici. They don't have a child. Ils n'ont pas d'enfants. But they are big men. Mais ils sont des grandes personnes. Why? Pourquoi? You went and sold all your sex, all your children to carry all that come and put in your house. Alors, tu allais vendre tous tes enfants pour porter les hôtels et venir mettre dans ta maison. But you can be escorted. Mais tu peux être escorté. You can carry big names. Tu peux porter des grands noms. You carry fame. Même but Satan has taken away the most important thing that will make you happy. Alors, your ça, children. Satan a your family. Ta famille. Maintenant, la chose qui peut te rendre content ou contente, ce sont tes enfants, ta famille. Il a tout pris. Are we hearing this? Est-ce qu'on comprend ceci? There are homes that have built fences so high. Alors, il y a des foyers qui ont bâti des murs très élevés. If you come there, get and enter. Si vous frappez à cette barrière, vous entrez. You will see mad people inside. Vous allez voir des personnes folles à l'intérieur. The man's children. Ce sont les enfants mad de people. Des personnes you folles. You see mad children. They are the man's children. Alors vous allez voir, ce sont les enfants de cet homme qui sont devenus fous. All kind of gangon children you will see inside there. Alors vous allez voir tous les ennemis, d'enfants ennemis, ils sont là à l'intérieur. The man know well. L'homme là sait bien. The children were fine. Les enfants étaient bien. But after he took power, après qu'il ait pris la puissance, after he took Satan and planted in his compound, après qu'il ait pris Satan et planté dans son Satan foyer, asked for those children. Satan a demandé. And he gave it. Et il a donné. He gave it. Il a donné. But I'm here to tell somebody. Mais je suis là pour dire à quelqu'un. Even you are not here. Même si tu n'es pas ici. I know you have sent people to listen and tell you. Je sais que tu as envoyé quand tu es. There is a power that can liberate you. Il y a une puissance qui peut te libérer. There is a power that can take you away from that robbery.
Christ. Il y a une puissance qui peut te donner cette connerie. And take away your soul from Satan. Et porter ton âme de Satan. And bring it to God. Et ramener cela à Dieu. But my main interest here. Mon intérêt principal ici. Is what is affecting the state in which I am. Alors c'est ce qui affecte l'état dans lequel and je suis. Come et je suis venu. With this message. Avec ce message. God have assigned me to uproot in Cameroon. Dieu m'a envoyé pour déraciner au Cameroun. Overthrow. Alors pour every kingdom affecting the life of Cameroon and Cameroonians. Tout royaume qui affecte la vie des Camerounais et du Cameroun. Amen. Amen. When the Lord sent forth Jeremiah on earth, lorsque le Seigneur envoyait Jérémie sur la terre, and commanded him, et il lui a ordonné, you must uproot and overthrow. Tu dois déraciner. He showed that things were wrong. Ça veut dire que les choses allaient mal. There were things wrong. Il y avait des mauvaises choses. There were things wrong in Israel. Il y avait des choses mauvaises en Israël. And Jeremiah said, et Jérémie a dit, this time I refuse to talk this message. Chaque fois que je refuse de parler ce message, it begins to burn in my heart like fire. Il commence à brûler en moi comme du feu. Each time I deny this kind of national program like this, chaque fois que je refuse ce genre de programme national comme ceci, to show how you will end my life. Dieu commence à me montrer comment il va sauver ma vie. So it's my mandate. Donc c'est mon mandat. And I thank all of you. Et je vous remercie tous. That God is touching your heart. Que Dieu touche votre cœur. And you are loving what is going on. Et vous aimez ce qui se passe. And I hope you will stand with me. Et j'espère que vous allez vous tenir avec moi. Don't worry, it's a journey. S'il vous plaît, c'est un voyage. Ne vous inquiétez pas. Unstoppable. Un voyage instoppable. Unstoppable. Inarrêtable. Unstoppable. S'il vous plaît, c'est inarrêtable. C'est un voyage sérieusement inarrêtable, instoppable. Until it's uprooted and overthrown. Jusqu'à ce que c'est arraché hey! Et jeté. We're not stopping. Nous ne stoppons pas. We'll be talking here. On va parler ici. But I'm not talking much to you. Mais je vous adresse pas trop la parole. We know where we are talking. Je sais où je m'adresse la parole. I know where I'm talking. Je sais où je parle. I will come to your own. I will pray for you. Alors pour vous, je vais prier pour but vous. But we are here. Not for this place. Mais nous ne sommes pas ici. We are nous here. Ici. Nous sommes ici. Ok, against the power and principalities putting disorder in our nation. Nous sommes là contre les puissances et les principalités qui mettent le désordre dans notre nation. Are they here? Est-ce qu'ils sont ici? Now here they are. Est-ce qu'ils sont là? Okay. Among the rare nations, Cameroon is one of the nations that is not really looking into a lot of things. But again, the Lord gave me the message of crossover. Le Seigneur m'a donné le message de la traversée. Let's talk of December. Parlons de décembre. 31st. Le 31 décembre. Getting to the first of this 2016. Le 31 au 1er janvier 2016. That the church que l'église will leave from back. Doit quitter derrière la scène. Position. To the front position. Et aller au devant de la scène. It is a must. C'est une obligation. They must recognize church in Cameroon. On doit reconnaître l'église au Cameroun. They must recognize church in Cameroon. Ils doivent reconnaître l'église au Cameroun. No, no. I mean, hey, every divine church, I say you are moving behind to the front page. L'église divine, tu peux aller la scène, tu peux aller la scène. Because parce que the power of fear. La puissance de la peur must be uprooted. Doit être déracinée. Be free to talk in the public. Tu dois être libéré. The Bible has ordered us not to preach inside the home. La Bible not to preach in the back door. Ne pas prêcher derrière la porte. To the mountains. Aller sur les montagnes. On the roads. Blow the trumpet and announce the good news. Alors, s'il vous plaît, about the Lord Jesus Christ. Concernant le Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Oui. And when you look at it, et lorsque vous regardez à cela, everywhere you go out, même lorsque vous sortez, many of my colleagues they used to make me have some fun time. Alors plusieurs de mes collègues ils m'amusent parfois. The very message that is the one timely to be preached. Alors le véritable message qui a été préparé pour être envoyé for the liberation of the land,
pour la libération du pays. No. Non. You allow it. Vous laissez ça. Be blessed. Soyez bénis. Jesus bless you. Que Jésus vous bénisse. You are coming in, you are going out. Là où tu sortis, là où tu arrives. Even what is going on, Jesus bless you. Même avec ce qui se passe, que Jésus vous bénisse. Even you have stolen money from government coffer and bring to me, Jesus bless you. Même si tu as volé l'argent du gouvernement et tu m'as amené ça, que Jésus te bénisse. Even if you are drinking blood and I know where you are drinking blood, Jesus bless Même you. Même si tu bois du sang, et je sais que tu bois du sang, que Jésus te bénisse. Now only you go bless that one, not Jesus. C'est toi-même qui vas bénir celui-là, c'est pas Jésus. Do you know what Satan do? Savez-vous ce que Satan fait? He will come. Il viendra. Make pressure on you, servant of God. Il va monter la pression sur vous, serviteur de Dieu. Pressure for need. La pression du besoin. You will have high need. Vous aurez de grands besoins autour de vous. And the need will carry enough pressure that will frustrate you. Et ces besoins auront suffisamment de pression qui vont vous frustrer. And when this pressure is at its peak. Et lorsque la pression est à son sommet. And you are turning and looking around. Et vous tournez, vous regardez autour. Where will my solution come from? D'où viendra ma solution? But you have a scripture that says my solution comes from Mount Zion. Mais tu as une écriture qui dit ma solution vient du Mont Sion. But where is Mount Zion? Mais où est Mont Sion? Satan asks you, where is Mount Zion? Satan te pose la question, où est le Mont Sion? Avec. Pardon. Send an agent come. Il envoie un agent qui vient vers toi. Homme de Dieu. The other day, l'autre jour, I heard you preaching. J'ai entendu prêcher. And I was really blessed. Et j'étais vraiment béni. I've come. Et je suis venu to elevate this ministry. Pour élever ce ministère. Take this 10 million. Prends ces 10 millions. The man of God will just get up. L'homme de Dieu va seulement se lever. Hey. Hey. I saw you in a vision before you were coming. J'étais vu dans la vision avant que tu ne viennes. I saw you in fact. En effet. Alléluia, God. Alléluia, Dieu. Alléluia, God. Alléluia, Dieu. Father, you are mighty. Père, tu es puissant. I saw, hey. Not so. N'est-ce pas ici? That one does not. You can't go again to pray. Father, I don't know whether this money is from you. I don't know. Je ne sais même pas, Père, si cet argent vient de toi. Je ne sais pas. Comment? How can you pray again? No. Est-ce qu'on prie encore la qualité là? Close the door. Let people not see this money. Alors ferme la porte et que les gens ne voient pas cet argent. Please close that door. S'il te plaît, ferme cette porte. Even the man will say, okay. Et maintenant on va dire, okay. You come to my office tomorrow. What time? Tu viens dans mon bureau demain. No, à quelle heure? You even want now? Now we go. Si tu veux qu'on vienne maintenant, je viendrai. As the man has taken over your heart. Comme l'homme l'a pris le dessus sur ton cœur. To him. En lui. It's 10 million I'm talking about. Je parle de 10 millions. He can give you any amount, let's say even. Il peut vous donner même montant. You will tell me many men of God here that you have been experiencing that, and when somebody start giving in church, he want to rule you and tell you what to do. Alors lorsque quelqu'un commence à venir à l'église, il veut te diriger, te dire quoi faire. No. 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 If you are a divine one. Si tu es un homme divin. Anybody giving you. Quiconque te donne. Is as a divine assignment and obedience. Ça veut dire que c'est un devoir divin et l'obéissance. Anybody coming to you to give. Toute personne qui vient te donner. Should be as a divine assignment and obedience. Doit être dans l'obéissance divin. It should not be that he's the one making you be who you are. No. C'est pas lui qui t'a fait devenir ce que tu es. Non. If you begin to do it like that, you are among desperate people on earth. Si tu commences à faire comme ça, tu es parmi les personnes désespérées sur la terre. And when any desperate man will receive solution from anywhere. Alors toute personne désespérée va recevoir la solution n'importe où. Am I talking to somebody here? Quelqu'un m'entend-il ici? And when you are doing like that, the souls will be perishing, and the church something will go wrong in the church. Lorsque tu fais comme ça, les âmes vont périr et quelque chose ira mal. You will not hear again from God. Tu ne vas plus entendre de Dieu. Men will tell you what to do now. Les hommes vont te dire maintenant ce que tu dois faire. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Let me give you a bit. Can I have my bag? There is a newspaper here. Who was here last year? Qui était ici l'année passée? November last year. Novembre de l'année passée. God bless you. Dieu vous bénisse. You heard us taking prayer here. Nous avons suivi faire la prière ici. That whatever resolutions are holding. Que tout ce que les résolutions tiennent. Let the power of God deliver that thing from the hands of persecution. Que la puissance de Dieu enlève ces choses de la main des persécutions. Who was here and we prayed together like that? Qui était ici, on a prié ensemble comme ça. God bless you, our prayer worked. Alors que Dieu vous bénisse, notre prière marche. That our very prayer worked. Notre prière là marche. You are my prayer partner. Vous êtes mes partenaires de prière. Not for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ.
I don't know since you have passed there. But well, people that can check the newspaper Cameroon Tribune. Vérifier le Cameroun Tribune, le journal Cameroun Tribune. The one of mercredi 2 December 2015. Mercredi 2 décembre 2015. And when you open to page 6. La page 6. Well, let us just have the title. Are you watching the screen there? Est-ce que vous visionnez l'écran là? Can you see? Voyez-vous? I think you can open it more well. I just wanted to see the title and I'll explain it to you. Je veux juste voir le titre et je vais vous l'expliquer. If you can see, let me see you read it louder. How many? Combien? 900 otages libérés. That's the first, that's the main topic. Okay, let us go now to the dates. Allons à la date. First of all, film the date of the crusade. Filmons d'abord la date de la croisade. Are you seeing it on the board? Est-ce que vous voyez cela à l'écran? Is which date? C'est quand? 26, 27 and 28 December. Du 26 au 28 décembre. Novembre. 26, 27, 28 November 2016. Du 26 au 28 novembre 2015. Sorry. This testimony must come. Ce témoignage doit venir. 26, 27, 28 November 2015. Du 26, 27 et 28 novembre 2015. Ok, let's go to the newspaper. Allons au journal maintenant. 26, 27, 28 of November 2000. Those were the dates the people were liberated in the north of Cameroon, Bukara. Alors, ils ont été libérés, ça c'est la date, le peuple a été libéré au nord du Cameroun, des mains du Boko Haram. Amen. Amen. Ok. When prions ici. Don't worry, I've been praying for many of the military people. J'ai eu à prier pour beaucoup de militaires. There's a group called Emergence Card. Alors, il y a un groupe appelé Emergence Card. And Alpha. They are the two main groups in charge of attacking that event. Alors, ce sont les deux groupes en charge d'attaquer cet événement. Alpha. For many of them, many. J'ai appuyé pour watch beaucoup. Kingship.tv and you will see. Recently, another one testified in the church. Because of prayer, imagine the capture an army Cameroonian. Imaginez qu'on a capturé un militaire camerounais. And you know the slaughtering appetite of Boko Haram. Vous connaissez comment Boko Haram a pu manger. He was captured. Prayer intervened. La prière est venue. And the guy ran away from their hands. Et l'homme là, il a fui de leurs mains. Il s'est échappé de leurs mains. Il s'est échappé de leurs mains. They captured him, disarmed him, and kept him. Remove his dress and kept him there. I was watching. On l'a capturé, le désarmé, on l'a enlevé ses vêtements. They will get ample information. Ils vont avoir une information plus ample. And also kill him. Et le tuer après. The power of God just came upon him. La puissance de Dieu est venue sur lui. He got up. Il s'est levé. Handed one of them down. Il a renversé une personne. He ran down unconscious. Et il allait inconscient. He took off from the camp. Et il a fui du camp. They were shooting and shooting. Il tirait et il tirait. Shooting and shooting. Il tirait et tirait. And could not get the guy. Et il ne pouvait pas avoir ce gars. Who was protecting him? Qui le protégeait? Clap for Jesus Christ. Acclamez Jésus Christ. I mean this Sunday that just passed. J'ai dit dimanche passé. Is it this Sunday or the other one? This Sunday that passed. Dimanche passé. With his military uniform. So proud to avec be ça, an army for Jesus militaire. Christ. C'est un militaire pour Jésus Christ. Please. S'il vous plaît. Why are we here? Pourquoi sommes-nous ici? For one purpose. Pour un seul but. Let from President of Cameroon. Que à partir du président the du Cameroun. The ministers, the governors and all the administrators. Les ministres, les gouverneurs et tous les administrateurs. Give this message to them. Alors, amenez ce message. It is God that will liberate Cameroon. C'est Dieu qui va libérer le Cameroun. It is not all the administrative ability. C'est pas l'habileté administrative. It is a spiritual matter. C'est une affaire spirituelle. I know there are secret agencies here, but I'm talking. Take it. I want to talk to the president. He should listen. Je veux parler au président qu'il écoute. Je sais qu'il y a les agences secrètes. He should listen. Qu'il écoute. He should listen. Qu'il écoute. There's no nation without a prophet that will talk. Il n'y a pas une nation sans un prophète qui ne puisse parler.
Et je sais. I know they are filming me. Je sais qu'ils me filment. They are there. If you want to come prophetically, I remove you there. Alors si vous voulez venir prophétiquement, vous enlevez dans la foule là. But I want you to film me, take it there. Filmez bien et amenez ça. I'm not talking something that is hidden. Je ne parle pas de quelque chose. Is it the wrong thing to propose the right solution? Est-ce une mauvaise chose de proposer la bonne solution? This, if you corner the commanders of Emergence Card, this military group. Alors si vous approchez le commandant de Emergence Card. An Alpha. Et Alpha. They started looking for solutions since 2014 to liberate these people. Alors ils ont commencé à chercher la solution pour libérer ces gens depuis 2014. How many billions in the north? Ils ont mis combien de milliards au nord? To liberate these people. Pour libérer ces gens. But it could not work. Mais ça ne pouvait pas marcher. I mean, the day the crusade started here. Il dit le jour où la crusade a commencé. On the 26th. Le 26. And we gathered at this and was praying, sending fire. Et on s'est rassemblés en priant en voyant le feu. The power that was holding the matter was weak and taken away. Alors la puissance qui tenait la paix a été affaiblie et enlevée. And the God power, the army of Cameroon could have that power to penetrate on the 26th when we began the crusade here, 27th, the second day of the crusade. And on the 28th, which was a Saturday, that we were finishing the crusade, it is the same day. The liberator, the et l'armée du Cameroun avait la puissance et le pouvoir suffisant pour pénétrer le 26, 27 et ça me dit le 28 pour finir la croisade ici. Can that be an error? Est-ce une erreur? If it is an error. Si c'est une erreur. If the president trusts his administrator. Si le président fait confiance aux administrateurs. The local geodan is here. Et le. Let him command him to bring. He will bring the authorization he gave for that crusade on those same dates. Alors il va mettre l'autorisation de ces croisades. If you talk to the director of the stadium, he has the authorization for this crusade, authorizing this place to us the same date. Il nous a autorisé ce lieu. Can it be a fake matter? Est-ce une affaire fausse? Please, s'il vous plaît. Solution can only come from God. La solution vient uniquement de Dieu. But I was surprised already. Mais je suis surpris l'autre jour. When somebody got up and was just authorizing Marabu people to use their Maraboutism to fight Boko Haram. Alors lorsque quelqu'un s'est levé, il a autorisé les Marabouts pour utiliser le Maraboutism pour combattre Boko Haram. It shows that you are fighting against what is real. Ça veut dire que tu combats contre ce qui est réel. But I'm talking it. Mais je déclare cela. I'm a prophet of fire. Je suis un prophète de feu. I have been sent with a team from heaven. J'ai été envoyé nobody avec une can touch me. Personne ne peut me toucher. I have come to liberate this place. Je suis venu libérer ce lieu. I have come for the liberation of this place. Je suis venu pour la libération de ce lieu. Nobody should stand on my way. Que personne ne se tienne sur mon chemin. I don't have a fight with human beings. Je n'ai pas un combat contre l'être humain. I came to tell Satan stopping this land to go. Alors, je suis venu à dire que I put this clause. Mais je mets cette clause. Any human being, tout être humain, that will see the power and the fire of God coming, qui verra la puissance et le feu de Dieu venir. And you want to hang on your demon. Et tu veux t'accrocher sur ton démon. That means you want to go to spirit. Ça veut dire que tu veux aller dans l'esprit. I am standing against principalities and power, which are what? Spirit, no? Je me tiens contre les principalités, les puissances. Demonic spirit. Les esprits démoniaques. Demonic spirit. J'ai quelqu'un esprit démoniaque. So if you are worshiping demonic spirit. Donc si tu adores l'esprit démoniaque. I am coming against them. Je me lève contre eux. And they want to go. Et ils veulent partir. And you are holding them. Et toi tu les arrêtes. That means you want to go to spirit. Ça veut dire que tu vas aller dans l'esprit. You don't want to stay in the physical land, you want to go into the tu veux plus rester dans la vie physique, tu vas aller dans l'esprit. Now me I will kill you. Est-ce moi qui te tue? C'est ton connaître. C'est toi-même qui vas aller là-bas. Because s'il vous plaît. I am saying this because ignorance is not good. Je vous dis ceci parce que l'ignorance n'est pas bien. After that crusade here. Après cette croisade ici. There were many people that went to. Il y a plusieurs personnes qui sont allées. Many. Plusieurs. Many people, some even call us. Certains nous ont même appelés. And they are coming in a convoy for deliverance. Qui viennent en convoi pour la délivrance. For liberty. Pour la liberté. Voilà. Et ils sont passés. Just to go like that. Et ils sont partis. Many. Plusieurs. But I did not come for that. Mais je ne suis pas venu pour ça. I came so that when you hear the good news, you repent. Je suis venu après lorsque tu écoutes la bonne nouvelle, tu te repentes. I know by any
has been light. Je sais que plusieurs ont été impactés. At the same time, I know a lot of things, and people have not put their trust in their lightness and the power of God. Plusieurs n'ont pas mis leur puissance dans la vivacité de notre Seigneur Jésus-Christ. And now it is doctrine. Et maintenant c'est la doctrine. Can you imagine you be talking to an administrator? Imaginez vous parler à un administrateur. Et vous dites, ça c'est ça les choses que les blancs ont amenées. These are things that white men brought here. Very far from the truth, very far. Ils sont très éloignés de la vérité. He doesn't know now. Il ne connaît pas. Can you blame him? Est-ce que tu peux le blâmer? He doesn't know. Il ne connaît pas. But there is somebody to let you know that is not true. Mais il y a quelqu'un qui va te faire connaître que ça c'est pas vrai. I talk to you, I prove it. Je te parle et je prouve cela. What are the proofs? Quelles sont les preuves? I bring God to you. Je t'apporte Dieu. And God will take away Satan from you. Et Dieu va ôter Satan by enemies. Par tout moyen. Can be healing. Tu peux can être be deliverance. Tu peux délivrer. Something must happen. Quelque chose. Are you see my God there? Et tu verras mon Dieu là-bas. The Bible says in the book of Hebrews. Dans Hébreux la Bible dit. The disciples went on preaching. Les disciples allaient partout et prêchaient. And God endorsed his approval. Et Dieu a approuvé. By the miracles and the signs and wonders he performed. Par les miracles, les signes, les prodiges qu'ils accomplissaient. These signs and wonders shall follow you. Ces signes et prodiges vont me suivre. I said they shall follow you. Ils vous suivront. Is there a possibility? I want to ask a question. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a une possibilité? Is there a possibility that light passes somewhere and darkness stays there again? Est-ce que la lumière passe quelque part et les ténèbres restent là-bas? If you receive the Holy Ghost, si tu reçois le Saint-Esprit, a spirit that is holy, un esprit qui est saint, any man on earth, tout homme sur la terre, that receive the spirit called Holy Spirit from heaven, qui reçoit cet esprit appelé Saint-Esprit du ciel, everything about you is holy, tout ce qui te concerne est saint, what you touch become holy, tout ce que touche devient saint, what you say become holy, ce que tu déclares devient saint, every moment you stand there become holy, tout l'environnement que tu tiens devient saint. And what is holiness? Et qu'est-ce que c'est que la sainteté? Holiness means sainteté you, dit, you that is holy. Toi qui es saint. If you touch a man, si tu touches un homme, that is carrying an unholy spirit. Qui porte un esprit malsain. Spirit from Satan is an unholy one. L'esprit de Satan c'est un esprit malsain. If you go to that area, si tu vas dans ce secteur, touch that man. Tu touches cet homme. Greet him. Tu le touches. You talk to him. Tu lui parles. That man must be holy. Cet homme doit être saint. Holiness means what? La sainteté veut dire quoi? The spirit of Satan will go away. L'esprit de Satan s'en ira. And the Holy Spirit come upon him. Et le Saint-Esprit viendra. That is all. C'est tout. When he come upon him. Et lorsqu'il vient sur lui, il descend sur lui. If Satan was holding his leg. Si Satan tenait ses jambes. As Satan go, the leg will come back now. Et Satan s'en va, la jambe va redevenir normale. If Satan was holding the stomach. Si Satan tenait son ventre. As holiness come. Comme la sainteté vient. The man, the thing go. La chose s'en va. The unholy spirit go. L'esprit malsain s'en va. Will his properties remain? Est-ce que God does not share his power with anybody. Dieu ne partage pas sa puissance avec quelqu'un. A man that has received the Holy Spirit. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit. Anywhere you stand. Partout où vous tenez. That place must be holy. Cet endroit doit être saint. Holy must. Holiness must come upon that place. La sainteté doit descendre sur ce lieu. That means holiness must come. That place must receive cleanliness. Clean. Cet endroit doit recevoir le nettoyage. Ça doit être nettoyé. Clean. Ça doit être propre, nettoyé. If I'm talking to you, can I hear louder, man? Dis amen si je te parle. Do you know how afflictions came into people? Savez-vous comment l'affliction est venue envers des personnes? Écoutez. I would really like many of us to listen, amen. Écoutez, s'il vous plaît. Do you know how afflictions came into human being? Savez-vous comment l'affliction est venue dans l'être humain? The sicknesses, all the possessions and everything that came into human being. Toutes les maladies, les possessions qui sont venues à l'être humain. It is Satan, it is darkness. Ce sont les esprits malsains, Satan, ténèbres qui ont. So when you are holy, donc lorsque tu es saint, but you carry the Holy Ghost, lorsque tu portes le Saint-Esprit, oh. And it comes upon that person. Et il descend cette personne. Holiness come upon the man. La sainteté descend cet homme. When holiness come there. Lorsque la sainteté descend là. The unholy spirit will go. L'esprit malsain s'en ira. Alongside with his properties. Et avec toutes ses propriétés. Complete, ses bagages. Complete. Complètement. Only God.
Dieu seul chooses to give his spirit to those he loves. Choisit de donner son esprit à ceux qu'il aime. Only God. Dieu seul chooses to make you holy. Choisit de vous rendre saint. Last year, l'année first, dernière, first day, premier jour, second day, second jour, urgent journey, voyage urgent, third day, troisième jour. This year, cette année, the matter does not want to receive fire again the way la last time. Ne veut plus recevoir le feu comme ça s'est produit la dernière fois. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? So, urgent journey before the time. Alors, voyage urgent avant le temps. But we must continue doing the work. Mais on va continuer à faire le travail. We must continue. On va continuer. We must do what? On va faire quoi? We must continue doing the work. On va continuer à faire le travail. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Please, can we rise up? S'il vous plaît, levons-nous. There's somebody I am offended. Dis à quelqu'un, je suis offensé. Oh, there's somebody I am offended. Dis à quelqu'un, je suis offensé. Cameroon. Cameroon. You must worship Jesus Christ. Tu dois adorer Jésus Christ. From the highest administrator to the lowest. Du plus grand administrateur jusqu'au plus petit. Cameroon. Cameroon. You must worship Jesus Christ. Tu dois adorer Jésus Christ. Cameroon. Cameroon. You must worship Jesus Christ. Tu dois adorer Jésus Christ. Turn and tell your neighbor. Tourne-toi et dis à ton voisin. Please, we are not into an exercise that heaven begins work. S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans un exercice. Go down and tell somebody, tell seven people, Cameroon. Cameroon, you must worship Jesus Christ. Cameroon, tu dois adorer Jésus Christ. Cameroon, you must worship Jesus Christ. Cameroon, tu dois adorer Jésus Christ. Cameroon, you must worship Jesus Christ. Cameroon, tu dois adorer Jésus Christ. Cameroon, you must worship Jesus Christ. Cameroon, tu dois adorer Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In a short while. Dans quelque temps. I want to hear. Je voudrais entendre. Somebody making a speech. Quelqu'un disant une parole. Somebody making a speech. Quelqu'un faisant une parole. Whosoever. Quiconque. He said, by the grace of God. Il dit par la grâce de Dieu. Have you ever heard it? Est-ce que tu as déjà entendu parler? By the grace of. Par la grâce. Man that give glory to God. Quiconque donne la gloire à Dieu. You can never talk and finish without talking about God. Tu ne peux pas parler et finir sans dire de Dieu. It is by force and authority. C'est par la puissance et le pouvoir. We are not asking anybody's opinion. Nous ne plaidons pas l'opinion de quelqu'un. It is coming by force and authority. C'est acquis par la force et l'autorité. It is a way from heaven. C'est un chemin du ciel. Blowing the land. Blowing the land of Cameroon. Sur la terre du Cameroun. 20 years behind. Il y a de cela 20 ans. Prophets came to Cameroon here. Les prophètes sont venus au Cameroun. 20 years behind. 10 ans passé. Many years behind. Plusieurs années passées. And kept on prophesying. Ils ont continué à prophétiser. That this kind of moment will arrive in Cameroon. Et il viendra ce moment. And God will raise his prophet to do it. Jesus Christ, I thank you. Est-ce que tu ne veux pas seulement te tourner et dire Jésus Christ, je te dis merci. Even offer, même l'offrir. Amen. Amen. Just lift up your hand. Élève juste ta main. Say, Father, have mercy upon our nation. Dis paix et pitié de notre nation. Make our nation be clean the way you love it, Lord. Permet que notre nation soit propre telle que tu aimes, Seigneur. Every demonic power, toute puissance, toute malice, God, you hold in Cameroon captive. Yeah, you are tenu in Cameroon captive. Let your body be broken in the name. Que ta malice soit brisée au nom de Jésus. Angels are singing. You are worthy, O Lord. Angels.
so, yes, shout the living amen. Please. S'il te plaît. The Lord has ordered from heaven. Le Seigneur a ordonné des cieux. That he has given you the mouth. Qu'il t'a donné la bouche. Giving you the body. Le corps. Giving you everything. Il t'a tout donné. Use it to praise him. Utilise-le pour le louer. They'll be singing to God and say, yeah, 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 yeah. And when it's time to request from God, Austin, you will request from Austin. Give me, God, give me, oh. Seigneur, donne-moi, oh. Are you ready? Est-ce que vous entendez? But to praise God. Praise him with every strength. Pour louer le Seigneur, lui avec tout. If you want to praise God, can I see your hand up? Si tu veux louer le Seigneur, je voudrais voir ta main. Say, I am a living soul. Je suis un être vivant. Every living soul. Every living soul. And you know your heart is telling you that you are still sinning. Let us repent before our Lord Jesus Christ now. Because we want to enter prayer. Parce que nous voulons entrer dans la prière. All of you, you will repeat this prayer of repentance after me. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, I know. I am a sinner. I have sinned against you, Lord Jesus. Come into my life, Father. Wash me, Lord, with your precious blood. I repent to the Lord Jesus to sin no more. Lord Jesus Christ, I believe that you are the only Son of God. You came to this earth. You died on the cross of Calvary. You were buried. You resurrected from the dead, and you are alive today. Lord Jesus Christ, I give my heart to you, my soul, and my spirit to you. Do unto it what pleases you, Lord. Come and be in my life from this moment, Lord Jesus, unto the end time comes, until you come again, Lord Jesus. In your mighty name, Lord Jesus, I pray. Amen. You're all welcome to the kingdom of our Lord Jesus Christ in Jesus' name. Amen. Alors, nous continuons à répéter la prière de repentance en français. Vous répétez après moi, dites, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés, Seigneur. Et lave-moi avec ton sang précieux. Je reconnais, Seigneur Jésus, que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es venu sur cette terre, mourir à la croix du calvaire. Pour mes péchés, tu as été enterré et tu es ressuscité le troisième jour. Tu es assis à la droite du Père, où tu vis éternellement. Je t'ouvre la porte de mon cœur.
et te reçois dans ma vie. Dès à présent, jusqu'à la fin des temps et jusqu'à ton retour. Prends le contrôle de mon âme, de mon esprit et de mon cœur jusqu'à ton retour. En ton nom, j'ai prié. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour Jésus. Vous êtes tous et toutes la bienvenue à Jésus. Amen. Amen. The thing is, maybe most of you have not gotten that opportunity. Peut-être n'avez pas eu cette opportunité particulière. To follow up some powerful actions of God from heaven. De suivre certaines puissantes actions de Dieu. Servants of God and many people, many believers that are here. Serviteurs de Dieu et croyants qui sont ici. Our God, we are talking of His alive. Le Dieu dont nous parlons, il est vivant. Oh. Is what? Il est comment? When we were separating last year somewhere, lorsqu'on se séparait l'année passée quelque part, I made it clear. Je l'ai déclaré clairement. Something must stop. Quelque chose doit stopper. It is pulling nearer. Et on approche la chose. Something is pulling nearer. Quelque chose approche. Cameroun. Cameroun. Something is pushing nearer. Quelque chose approche. Pray much. Prier. From this match. À partir de ce moment. That's why God sent me. I was praying the Lord. I'm just from a crusade this November. Je disais, Seigneur, je viens d'une croisade ce novembre. And Lord, you are sending back so early again. Et Seigneur, tu he said, go back. He m'a dit, he was supposed to even come back in January. Tu devais revenir en janvier. I pleaded that much. I first of all said May. Il a d'abord dit mai. You don't plan for me. Il a dit, tu ne planifies pas pour moi. You must do what I'm telling you. Tu dois faire ce que je te dis. I said March. J'ai dit mars. He said no. Il a dit non. March is too far. Mars est trop loin. By March, that thing is mars, near. Cette chose s'approche. Come. Latest February. Au plus tard, février revient. Latest February. Au plus tard, février, tu dois revenir. So pray from March upward. Alors prie à partir de mars. Cameroun. Cameroun. Pray from March upward. À partir de mars, commence à prier. Pray from March. This March, no. Tomorrow. March from tomorrow upward. Alors mars qui vient demain, commencez à prier. Pray well. Priez bien. This 2016. Ce 2016. The only way that things can be saved. La seule manière dont les choses peuvent être sauvées. Is repentance. C'est la repentance. Is what? C'est quoi? If my people can repent, I will answer their prayer. Si mon peuple se repentit, je vais exaucer les prières. It's repentance. C'est la repentance. That's why we are gathering and praying and pleading to the Lord. Voilà pourquoi nous rassemblons, nous prions et nous plaidons au Seigneur. Because parce que I saw this flag. J'ai vu ce drapeau. It was down. C'était abaissé. Il est descendu à moitié. Cameroun, priez. When I saw this flag in that vision, it went down. Lorsque j'ai vu ce drapeau qui est descendu dans cette vision, the problem is. Le problème est ceci. How can the flag go up and how will it go up and by who and by how? Alors comment va-t-il remonter, par qui et comment? It is the matter of flag going up that there is trouble. Alors c'est pourquoi le drapeau remonte, c'est là où il y a trouble. You know that now the flag is up. Do you know that? Est-ce que vous savez que pour l'instant le drapeau est soulevé? And it's up because somebody is putting it up. Alors il est debout parce que quelqu'un le maintient. But debout. I saw it down. Mais je l'ai vu descendre. Who will put it up? Qui va le relever? That's where trouble is. Et c'est là où il y a le trouble. Trouble. Cameroun, do what? Cameroun, fait quoi? Priez. I deny. Je refuse. No soul. Aucune âme. Satan cannot touch soul here. Satan ne va pas toucher une âme ici. We stand against. Nous tenons contre. The works of Satan in Cameroun. Les œuvres de Satan au Cameroun. It is this very group. C'est ce groupe véritable. That is programming this order. Qui programme le désordre? Freemason, Framason, Rosicrucian, les Rosicrucians, and all these people. Et tous ces gens. It's them that are out to put this order. Ce sont ceux qui sont pour mettre le désordre. But we are standing against that in the name of Jesus. Nous vivons contre ça dans le nom de Jésus. Please,
S'il vous plaît. You might be hearing like a dream, oh. Vous pouvez entendre ça comme un rêve. If you see a prophet coming down to the street and talking like this, pray like you have never prayed before. Si vous voyez un prophète venir parler à vous comme ça, priez comme vous n'avez jamais fait auparavant. Pray. Priez. Do you believe that the power of God can rescue Cameroon? Vous pensez que la puissance de Dieu peut assister au Cameroun? Let me show you how the power of God rescued Benin. Alors que je vous montre comment la puissance de Dieu a secouru Benin. Who have heard of what happened in Benin? Qui a entendu parler de ce qui s'est passé à Benin? Have you watched it? Avez-vous visionné cela? Okay, let us see what happened in Benin. Alors comme vous voyez ce qui s'est passé à Benin. For you to know that God can instantly respond our prayer. Alors pour que vous sachiez que Dieu peut instantanément exaucer notre prière. He said, all my way to worship that thing. I will not want to know what God has observed. All my way to worship that thing. I want to know what God has observed. He goes see for a hand. I was saying, he called for heaven. I have fun to put up. Fire begin to come down. I want to have a treasure. Tomorrow we go call fire. Anybody want some money? Why do you want to fight God? No one that is wrong. You know they fight God. Come and tongue you call. Somebody in the army. You know if you fight God. I don't care if they're the very people. Okay, I'm going to I'll be very serious with what you want to call. Any person who is there for this land of no one to want to shaping in there. Why do you struggle for fight God? No one tongue no song you call. If you lost the level. What you be in the shimio? And it don't know some of them that they fight for there. And show the hip hop to the tongue. Obviously, the agents of Lucifer had a rough night yesterday, because of the light that shone in their darkness. They have now gathered to strike Prophet Frank with thunder and lightning, but Prophet Frank is from heaven and is untouchable. All powers and for the devil. Me think me Satan me too. Why you pray for fire? No one turn on. Again this crusade again. Song no shot is it? By lightning. Me. Fire! Fire! When the man persisted, the man of God commanded fire from heaven, and instantly heaven responded, and the man was struck dead on this chair. The news of his death started circulating that night at the crusade ground. This is the compound of the late chief Manchor Tinan, the faithful servant of Lucifer, who wanted to battle with his creator. No man of this, I see all the people this of man of this, protect us here. Let the fun. See then I win. He died yesterday. This confirms the fact that a man effectively died last night during the confrontation. With the authority of God and under the grace of Prophet Frank, we landed in this compound and violated all traditional protocols and went searching for the corpse, which we were told nobody was to see before the king. This is his evil altar, full of demonic charms and artifacts. This is the chair on which he was sitting and generating thunder and lightning through these stones under this talisman. When the Spirit of God revealed to us that the corpse is hidden in one of the rooms, we started searching until we found the evil remains in this room. You can see how the corpse has been manipulated with evil charms. His stomach has been projected this way in the belief that the evil in his stomach should not explode and reveal demonic secrets. Our God is able. Notre Dieu est capable. Tell neighbor, our God is able. Dis à ton voisin, ta voisine, notre Dieu est capable. Our God is able. Notre Dieu est capable. Amen. Amen. And when you see like that. Et lorsque vous voyez ainsi. If I was pretending, si je prétendais, can I stand it? Est-ce que je pouvais résister? Can I stand it? Puis-je résister? Jesus Christ alone stands for me. Jésus-Christ se tient pour moi.
And I want to also clarify something here. Et j'aimerais aussi vous éclaircir quelque chose ici. It is after this crusade. C'est après cette croisade. That I learned a lesson that I'm teaching now. Alors que j'ai appris la leçon que j'enseigne maintenant. A lot of people died. Plusieurs personnes sont mortes. Because I was wounded. Parce que j'étais blessé. I pleaded with the Lord that I did not come to do that. J'ai plaidé au Seigneur que je ne suis pas venu faire ça. After the man of the thunder died, who was their big man? Après que l'homme du tonnerre soit mort, qui était le chef? Other marabouts more than five. To fight, making way a race. Alors plus de 5 marabouts qui sont tenus pour me combattre ont été tués. There was serious burial in that place. Alors il y avait un enterrement sérieux dans cet endroit. Amen. Amen. So I thought, I was taught by God. Donc j'ai été enseigné par Dieu. The power of mercy. La puissance de la miséricorde. And I love it so much. Et je l'aime tellement. And I walk now in serious mercy. Et je marche maintenant dans la miséricorde sérieusement. The Lord asked me. Le Seigneur m'a demandé, my son, mon fils, are you going to kill all of them for me? Est-ce que tu vas tous les tuer pour moi? What is happening with them? They don't know. Ce qui se passe avec eux, ils ne connaissent pas. Is Satan introducing them into errors? C'est Satan qui les pousse dans les erreurs. In our country, dans notre pays, many of our leaders, civilians and everybody are introduced into error by Satan. Plusieurs de nos leaders civils et autres sont introduits par Satan. I am looking for a way to talk to them. J'essaie de leur parler. Leave Satan. Laissez Satan. Come to God. Venez à Dieu. First, you have your salvation. Premièrement, vous aurez votre salut. Secondly, deuxièmement, there will be divine peace in the land. Il y aura la paix divine dans le pays. Amen. Amen. We will engage serious prayer now. On va engager une prière sérieuse maintenant. And this prayer will be directed to their altars. Et cette prière sera directe. Levez-vous. Fire, fire, burn them. Fire, fire, burn them. Holy Ghost fire, 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 burn them, fire, burn them, fire, fire, burn them. Holy Ghost fire, 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 burn them. Je vois un homme ici qui veut danser. Oh. Si il veut danser, il peut danser. Be free. Dance with your legs. Danse avec ta jambe. Take him off. Your waist is restored in your legs. Les jambes sont restaurées ainsi que ton dos. Walk ago you. Marche. Throw that thing down. Throw that stick. Jette ce bâton. Carry your mat and go. Walk ago you. Marche. Play the music, you want to dance now. Dans la musique, la musique, il danse. Thank you.
maintenant. Comme ça commence à marcher. Forever. Tu marcheras comme ça pour toujours. He only wants to be dancing and dancing. Il veut seulement danser et danser. Papa, when you come back to the house, they will pull you music now. You dance well. Tu vas bien danser. If you are not dancing, you will dance today. Si tu ne danses pas, tu vas danser aujourd'hui. Whatever is making you not to dance, you will dance. Tu vas danser. Fire must settle this matter today. Fire, fire. Fire must settle this matter today. Fire, fire. Are you ready to come against them?
le passé. Je suis Christian Lodas. Il nous a été dans le passé. Je l'ai dit au Cameroun. Je l'ai dit au Cameroun. Kachaya. 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 Kachaya.
est le sang du Cameroun. The old dad is in charge of representing Lucifer in Cameroun. C'est le mec qui représente Lucifer au Cameroun. We attack the order by fire. You are black, it's not you, but I will pray for you. C'est pas toi. Je vais prier pour you toi. Are black. C'est pas moi, I'm looking moi. At you. It's a snake. I want to talk to that thing. Je veux parler à ce serpent. C'est un serpent qui est dans ton ventre. I know you. Je connais ces femmes. You are black. Small. Black. Tu es noir et petite. That thing has been tormenting your stomach for a long time now. Cette chose a tourmenté ton ventre pendant longtemps. You spirit of Satan. Toi, esprit de Satan.
I order you to go now. Je t'ordonne de partir maintenant. From her. De son corps. Eva. I order you to go now. Eva. Eva, please. De ce corps. And I order you never to return again. Je t'ordonne de ne plus jamais retourner là. Is over. Car ton temps est achevé. By authority. By authority. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. You're free. Tu es libéré. If you want to make her grow mad. It's coming from right from the background. Ça vient from the tradition. The background. There's a woman sitting here, I don't know, but time. But you were given, they told you to bring three goats, three of them. Three. For a sacrifice. Three goats. For 4 years, and then he started working for the rest of
Say, Lord, have mercy upon your son. Le Seigneur, aie pitié de ton fils. Have mercy upon your son. And give him strength. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Do you believe that Jesus can make you walk? You believe it? Yes, say, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. For giving me strength. For giving me strength. In my body. In my body. In my legs. In my legs. In my hands. In my hands. Thank you for strengthening me, Lord. Thank you for strengthening me, Lord. If you believe Jesus has strengthened you, you have walked in Jesus' name. Amen. God, thank you. If you have said really, God bless you. Jeune homme, c'est un enfant de 10 ans. Il, depuis sa naissance, n'a jamais réussi à marcher normalement. Il a eu à ramper pendant 4 ans. Et depuis l'âge de 4 ans jusqu'à présent, il utilise des béquilles. Et comme vous voyez, il est venu ici à ce programme national pour la paix, deuxième partie. Et croyant que le Seigneur Jésus-Christ est le seul faiseur de paix, le seul faiseur de paix qui peut la guérir. Actuellement, l'homme de Dieu prie pour lui. Observez-vous le temps. Watch out the screen for above. To God be the glory. The man of God is now attending to the case of the child, the victim under demonic attack from childbirth. Child has been unable to walk normally because of the ions that are all over the body, the child. What is the name? Ajine. You are free in Jesus' name. Tu es libéré dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Thank you. Come. Thank you. Stand. Put your leg here. Put the other one here. Okay. Look at me. Father, thank you. Lift up this hand. Say, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lift this one. Don't hold me. Stand you. Jesus has liberated you, okay? Don't cry. You believe Jesus has healed you now? Clap for Jesus Christ. I cannot believe this. I wanted to take the other one. He said, Joe, you want to take the mastic? Votre béquille et il y aurait déjà. Take this yourself and throw it. Throw it. Throw it. As you throw it, you walk. You see the guy, sister crying. As you throw it, you walk. Donc, tu jettes une béquille, tu vas marcher. Ah, he's hooking on the team. Il s'accroche à sa béquille. You saw that papa there walking. Yes, throw the stick and you walk. Say, thank you, Lord Jesus. Okay, can I help you? Can I help you take it? Can I help you? Listen. Okay. I need his opinion. The boy is mature, he can talk now. Amen. I need his opinion. J'ai besoin de son opinion. If I meet a child of 3 years, I don't need your opinion. Si je rencontre un enfant de 3 ans, j'ai pas besoin de son opinion. He's crying because the thing is paining him. He's remembering his suffering and everything. So he can think now. Il peut bien penser maintenant. I need his opinion. I do what? I need your opinion. J'ai besoin de son opinion. But I pray for mercy. Mais je prie pour la miséricorde. I pray for mercy. Je prie pour la miséricorde. Father, thank you, Lord. Watch closely. Continue watching on the screen. The child is walking alongside with the man of God under the leadership of the Holy Spirit. In Jesus' name. Okay. Wait. Stop. Bring the other leg. Stop. Stand now yourself. Come. I see the guy is free. He doesn't want to leave me.
People of God, watch at this. You can see for yourselves what is happening right here after the prayers. I'm walking by yourself. I'm walking by yourself. After the man of God has prayed for the boy child. Walk now. Walk. Voila. Good boy. Have been using crutches. Walk. Leave this other one now. Walk. Walk now. Good boy. Walk up. Walk. Of you. Oh, voila. People of God, can we appreciate our Lord and Savior Jesus Christ? Watch at the faith of this child. Oh. Okay. Say thank you, Lord Jesus, for healing you. Lift up your all your two hands. Say thank you, Lord Jesus, for healing you. Say thank you, Lord Jesus, for healing you. You are free in Jesus' name. Bring him a chair. Are you doing chairs? I see that he's not even apply any weight on my dress. But his problem is that he must hold on small thing. Go to your chair. Go and sit here. Son problème c'est qu'il doit attraper une petite chose. Clap for Jesus Christ. You start training him how to work. Encourage him. Okay, Jesus has healed the leg. Is free. Amen. Your legs are free in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. He will sit like this and just forget and that's over. Thank you, Jesus. Say thank you, Lord Jesus. Jesus. Wave him, wave him, wave him. Say thank you, Lord. Tell him of romantism. Her legs. Romanticism problem affecting her legs for 15 years today from Yaoundé. Painful right arm due to accident. Painful right arm due to an accident. This man suffers problem of painful right arm due to an accident. Case of the child. He came child. 3 year old or child. Difficulty with walking. This one he walks with iron. His child is using artificial means to walk. He's 3 years. Since 3 years. Yes, man of God. The legs has bent. That is what they have done in the hospital. I can no more move well. And I think that I can move steady. He says 3 years. Yes, man of God. 3 years. Father, this one is innocent. 3 years. 3 years. Be free. Move that thing. After the man of God has prayed for the 3 year old boy child, the man of God orders for all the bandages that have been tied around the legs of the child to be immediately untied. Watch at your screen. Watch what is happening immediately as the man of God has instructed. Everything that was tied around the leg of the child should be untied right now. So God be the glory. Continue watching. There is never a situation that is more than our Lord and Savior Jesus Christ. Diabetes, high blood pressure. This mama suffers from diabetes, high blood pressure, spinal cord problem. In case of this papa, hello, spinal cord problem. 3 years, my prophet. 3 years. Hey, come on. Look here. You can see how the power of God descends upon the life of the people of God and sets them free. This must be total weakness of the body. Thank you, Lord. Total weakness of the body. High blood pressure.
woman suffers from high blood pressure. She suffers from high blood pressure. Be free, in Jesus' name. Suffering from pains in the after an operation. Out! Let your eye open in Jesus' name. Be the glory. Thank you, Lord. Bless up, thank you, Lord. See your innocence in Jesus Christ, and give you mercy. Call your son to come. As a Muslim, yes. Go and meet your father. Yes. Go.